Nouvelle trouvaille et sacrée trouvaille, une montre à gousset. Bah, c'est ma première que je fais. Bon, bah, elle est morte, hein. Celle-là, elle donnera plus l'heure, hein. Mais voilà, c'est quand même une trouvaille sympathique. Voilà, bon, bah, je continue et je vous dis ben, à la prochaine trouvaille. Allez, salut, salut. Bon, bah, nouvelle trouvaille, des petits trous, hein, pas trop profond, un anneau, bon, c'est toujours une trouvaille. Voilà, bon, bah, allez, je continue, je vous dis à tout de suite. Amis, nouvelle trouvaille, et là en plus il devait m'attendre, même pas besoin de creuser, hop, un bouton américain. Voilà, petit bouton américain, mais qui a dû prendre une balle. Il y a un trou. Et puis il est mort. Voilà. Bon, bah, ça fait toujours une trouvaille de plus. Voilà. Bon, bah, allez, je continue et je vous dis à la prochaine trouvaille. Salut, salut. Bon, bah, j'ai un nouveau son. Et c'est ici. On va découvrir ensemble ce que c'est. Ouh, c'est blanc déjà. Ouh, ouais. Ouh. Ça c'est cool ça. Dommage, c'est cassé. Ah, je suis dégoûté, elle est cassée. Alors qu'est-ce que c'est? Un cheval? Un sanglier? Bonne question. Vous m'excuserez, hein, je suis pas habitué à filmer avec le téléphone. Mais c'est super. Là, il y a un visage. Je vois pas. Alors, je sais pas si c'est romain ou si c'est gaulois. Ah, je sais pas du tout. S'il y en a qui savent, ben n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire. Bon ben le chant, ça a l'air de le faire. Là j'ai mon Fernand, il a trouvé une petite monnaie aussi, un DT je crois qu'il m'a dit. Voilà, bon, on va continuer. Bon ben, allez, je vous dis à la prochaine trouvaille, salut. Belle trouvaille. Salut. Bah alors salut les amis, moi vous m'excuserez, je filme avec le téléphone, j'ai oublié mon caméscope, hein, dommage parce que deux belles trouvailles, je viens d'en faire une ici et l'autre ici. Alors la première c'est celle-ci, un petit potin, et la deuxième c'est celle-là, voilà, deux petits potins, bien sympa, à 30 cm, et je vais regarder, je vais faire le tour, peut-être qu'il y en aura peut-être un troisième, voilà, moi ça sonnait à 50, 53. Un bon son. Alors voilà, je vais continuer et puis bah, je vous dis peut-être au prochain potin. Allez, salut. Bon bah mon Fernand, il m'a demandé l'indice que j'ai eu sur mes potins. Je lui dis 50. Il me fait oh, il y en a un, j'ai eu un son à 50 là-bas. Je vais y retourner. Regardez ce qui nous sort. Un beau petit potin aussi. Voilà, de la tribu de Sécane. Regardez-moi ça. Regardez. Avec une patine magnifique. Voilà, il a bien fait d'y retourner. Bon ben on va continuer, hein. On va continuer. Bon ben allez, on vous dit peut-être au prochain potin. Allez, à tout de suite. Putain, j'en reviens pas, trois potins sur 20 mètres. Après les petites gauloises, regardez ce que nous sort mon petit Fernand. Une belle bague. Une belle bague en bronze. Je pense époque. Alors là c'est pas facile. Ouais, je sais pas. Pas facile à dater, mais c'est pas tout voilà, jeune. Pas tout jeune, ouais. Voilà. Bon bah nickel, hein, impeccable. Moi là j'ai un son, je vais regarder aussi ce que j'ai. Et puis voilà. Bon bah on vous dit à tout de suite. Hein. Allez, à tout de suite. Dernier petit trou que je viens de faire. Là on est en train de remballer. Juste avant de partir. Regardez ce que je sors. Un petit billon. Allez, mise au point s'il vous plaît. Voilà, un petit billon. Voilà, mise au point, elle est pourrite. Je sais pas, mon caméscope, ça fait chier. Je sais pas si vous verrez bien. Ça me fait chier. Elle est où? Elle est là. Voilà. Là, il y a une croix. J'arrive pas à faire la mise au point, je suis désolé. Oh, j'essaierai au pire de vous faire une vidéo avec mon caméscope. Voilà, bon bah allez, je vous dis à la prochaine, salut. Ça y est, ça se termine, la sortie, on a fait combien?
2 heures? Une heure Oh, et à peine demie? 2 heures. Ouais, allez, 1h45, allez. Allez, Voilà, salut! 1h45. Dans le premier champ qui était là-bas, mais qui est là-bas au fond, qui n'a pas beaucoup donné. Pas terrible. J'ai juste fait la montre. Bref, alors pour moi, une montre en gousset, je vais la mettre au soleil. Bien fatiguée, elle donnera plus l'heure, celle-là. Des fossiles, un anneau. Ça, comment ça s'appelle C'est un déjà? Un rivet. rivet, ouais. Un rivet. Une petite boucle. Un morceau de boucle. Et un bouton américain. Voilà. Un billon. Un potin. Un autre potin. Et celle-là. Mais alors celle-là, on a un doute sur celle-ci. On ne sait pas si c'est gaulois ou si c'est romain. C'est en argent. Voilà. On ne sait pas du tout. On a un gros doute. Alors si vous voulez, si quelqu'un sait, ben n'hésitez pas à nous aider. Voilà. On voit qu'il y a un beau sanglier derrière. Hop, mise au point. Voilà. Un sanglier. Un sanglier ou un loup, je ne sais Ou pas. un loup, on ne sait pas. Voilà. Et puis les potins. Bien sympa. Voilà, c'est cool. Nickel. Et mon ami Fernand, alors, des fossiles, pareil. Une belle bague. Voilà, la bague. Petite bague en bronze. Voilà. Elle est pas niquée, elle est encore bien, franchement, elle est nickel, magnifique. Un potin de la tribu Sécane. Voilà, on voit bien le cheval derrière. C'est un cheval ou un taureau? C'est un cheval. Ouais, c'est un cheval, hein, ouais, je confondais. Taureau, c'est du Voilà, bronze. ouais. Une boucle, deux monnaies, mais à identifier, je pense, un DT, peut-être une Napo, ou on n'en sait rien. Voilà. Et puis un plein de sac. Voilà, et puis bah, comme d'hab, hein, les merdouilles. Voilà, 10 kilos de merdouille. Et voilà. Voilà. Une bonne sortie, nickel, on reviendra une fois que le champ sera labouré. Voilà. Bon bah on vous laisse sur ces belles images et on vous dit à une prochaine sortie détection. Bye bye. Salut, salut!